Et bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et il n'y a pas de musique, c'est super génial. Donc du coup on va mettre un petit peu. Voilà. Donc je disais, oh. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue pour ce petit jeu, petit fan game, petit D-make même. Hein, parce que les D-Mecs, c'est quand même vachement impressionnant au niveau de la qualité graphique et de comment qu'on fait un jeu 3D en jeu 2D en gardant quand même des principes de gameplay propres au jeu d'origine. Et donc aujourd'hui, pour cette vidéo, ce sera un petit D-Mec que j'ai trouvé il y a quelques temps. Quand j'ai quelques temps, c'est-à-dire à peu près 2 semaines. Mario 2DC. Qui est donc un D-Make en 2D de Mario Odyssey que j'ai plutôt apprécié. Le seul problème étant que, bon, dans les options, la musique ne se lance pas, il faut la lancer nous-mêmes. Mais à part ça, je vous propose d'essayer. Les musiques sont plutôt bien retranscrites en. Je crois que c'est du 16 bits. Je vais dire une bêtise sans doute. Il me semble que c'est du 16 bits. Et. Il n'y a pas de cinématique, hélas. Par contre, l'histoire reste la même. Le jeu est en anglais. Donc, si vous avez déjà joué Mario Odyssey, tant mieux. Alors, on retrouve le hub de base, à savoir le nombre de pièces, les points de vie. Et comme on n'est pas en 3D, eh ben, c'est un petit peu limité. Cependant, l'arrière-plan, comme vous le voyez, est plutôt beau. Alors, il n'y a que 3 touches. Il y a une touche pour parler, qui est donc la touche Q. La touche pour sauter, qui est S, sachant que avec... on peut faire un double saut qui nous projette en avant et en maintenant la touche D, et eh bien on court. Rien de bien compliqué. Et lorsqu'on fait saut et bas, ça fait saut rodéo. Des principes classiques au jeu. Et c'est très bien. La seule difficulté de ce jeu, c'est sa difficulté parce que c'est très très difficile de se. Alors déjà. C'est que quand vous faites un double saut, il n'y a pas d'air contrôle. Et aussi parce que il est quand même assez compliqué. Alors, je passe l'histoire parce que vous la connaissez tous. Hein. Je récupère Capi. Capi est votre compagnon. Et Capi me sert à plein de choses. C'est-à-dire que la touche Q sert à utiliser Capi. Et en maintenant Q, eh bien, je peux le faire rester là où il est et m'en servir comme plateforme par exemple. Et franchement, en toute honnêteté, c'est un bon jeu. Mais il y a quelques petites particularités. Attendez. Je peux canceller mon air jump. Je peux cancel le double saut avec Capi. Ce qui est très intéressant pour certaines mécaniques de gameplay de tasseur, hein, s'il y a des gens qui veulent tasser ce truc. Ce qui est très cool, est-ce que je peux faire d'autres trucs avec Capi? Alors évidemment quand on fait un double saut, on gagne un tout petit peu de hauteur. Ah non, je ne peux pas... est-ce que je peux faire... Non, dès que j'utilise Capi, je ne peux pas faire de double saut. Je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Regardez ça, même ça, cette animation... Enfin l'animation avec les nuages, le pont nuage qui s'élève, et ben, ils ont quand même réussi à la retranscrire. C'est quand même pas mal. Alors hop, paf, et on passe. Voilà, on passe direct. Ah, la musique quand même est de bonne facture. Ça c'est quand même un truc incroyable, enfin à noter. Alors là, je ne peux pas sauter parce qu'il me faut quelque chose que je n'ai pas, c'est-à-dire la transformation en grenouille. Voilà, et par exemple, paf, je suis une grenouille. Et en maintenant Q, je peux bien jauger mon saut. Et j'ai un contrôle. Et ça, c'est fluide, c'est beau. Regardez ça, je suis une petite grenouille. Y a pas un secret? Non. Je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Des émotions toutes simples, mais qui font le travail.
Allez, il y a un coffre, alors release avec Z. Le coffre qui me donne de la vie. Oui, de la vie. Oui, de la vie. Et là, on va avoir accès au premier boss du jeu. Que j'ai oublié le nom. Ouais, alors, il n'y a pas de grosse transition. Voilà, donc premier boss du jeu. Oula. Oula, je fais n'importe quoi, au secours. Alors, un boss pas difficile. Faut juste vraiment savoir jouer. C'est-à-dire pas comme je fais. Alors vous voyez par contre, lorsque je le touche sans son chapeau, et bien si j'arrive à toucher sa tête, le chapeau, le dernier chapeau que j'enlève, et ben il disparaît. Ce qui est cool. Ou alors pas fait exprès. Hop, la disparition. Après il est là. Parce que c'est le seul qui va à contre-courant des autres. Et voilà, c'était le boss incroyable. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas de cinématique, mais ça reste cool. Mario 2D Say. Et c'est à partir de là, à ce moment très précis, que je ne sais pas ce que je dois faire. Tout simplement parce que je découvre cette partie de jeu. C'est quoi ça? Ah, c'est le chomp. Ah oui, c'est vrai. Pro Champion des Champ, yeah! Regarde, je le throw. Attention. La pression, la pression, la pression, la pression. Spoimp. Ah, et c'est là qu'il y en a une. Ah, je peux pas le release. Ah, j'ai... Est-ce que j'ai cassé... Merde, je crois que j'ai cassé un truc. Ah! Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Je crois que j'ai cassé le jeu. Ouais, j'ai cassé le jeu. Et ben, ne vous en faites pas. On revient tout de suite. Voilà, je suis revenu où j'étais. Alors, si le jeu rame, c'est parce qu'il y a sans doute beaucoup trop d'éléments. Donc, on va essayer de ne pas casser le jeu. Hop. Je contrôle le chomp. Alors, je peux pas faire grand chose. Voilà. On va essayer de passer au-dessus cette fois. Voilà. Et j'ai ma première lune. Oh, regardez ce chemin de pierre incroyable. Animation de qualité. Alors, on est sur un fan game amateur, hein. je tiens à le préciser. Parce que si c'était fait par des professionnels, ce serait un peu mieux. Mais ça ne l'est pas, et donc du coup, on va continuer un petit peu. Là, c'est de l'exploration, ce que je fais. Je découvre en même temps que vous. Wow, ok. Bon bah du coup quand je perds une vie, je perds énormément de pièces. Voilà. Je perds comme qui dirait la moitié de ma thunasse. Et c'est quand même beaucoup. Et je reçus bloqué. C'est quand même fort ce qui se passe. Ah mais oui, d'accord, je sais pourquoi je suis bloqué. Bon, on va se faire le... Ah non! D'accord. Donc je dois tout refaire. Ah! Arrête de tout être cassé. Bon, je me suis absenté juste un petit moment parce que...
La vie IRL, ça faisait longtemps, tiens, qu'il n'y en avait pas eu. Donc du coup, je récupère la lune. Un truc qui serait bien, c'est de pouvoir passer cinématique quand même. Alors, quand même, si pour le moment, je suis assez surpris par ce fan, par ce remake, eh bien, je suis plutôt intéressé. Je suis plutôt bien, ouais. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible, au moins jusqu'au deuxième boss. Ce serait quand même bien, et éviter de me... de me cracher à travers les rochers comme je le fais actuellement. Voilà, alors ça c'est fourbe parce que je ne vois pas que je peux passer à travers. Voilà, voilà, ça c'est fourbe. Donc il y a deux chemins. Semi what is it air. Et là je ne sais pas quoi faire. Est-ce que si je prends l'élan? Non, ok. Ben continuons et puis voyons ce qui se passe. Ouais. Vraiment, c'est de la pure exploration. Ah, encore un chomp. Alors le chomp. Ah ouais, il se passe des choses bizarres en fait dans ce jeu. Est-ce que je peux casser des trucs? Semblera-t-il que non. Ah, le champ, vite. Là par contre je peux aller au-dessus, tu me la fais pas. Exactement. Oh non, un mur. Ah non. Ah zut. Ah zut alors. Un mur. Ouais alors ça c'est vraiment 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 de la merde. Ça c'est vraiment de la merde par contre. Est-ce que mon avis vient de diverger de tout autour? Regardez ça, je passe à travers des trucs ridicules. Voilà, je suis obligé de faire un double saut, saut, capi. Tout ça pour pouvoir... Oh, le dino! Le fameux dino. Je vais essayer d'arrêter de sauter n'importe comment, ce serait cool. Cette touche est en train de me rendre fou. Ouais, cette touche est en train de me rendre fou. Donc on va aller directement sur le dino. Non, le dino. Ah oui, le dino. Regarde ça. Est-ce que je peux sauter? Non. Oula. Oula. Oula, le sprite est, comment dire, dégueulasse. Le dino. Incroyable dinosaure. Et là, je fais comment? Ah oui, Z pour release. Et le tuyau. Ah, les niveaux 2D. On a failli les oublier, ces fameux niveaux 2D de Mario. Évidemment. Alors là, on ne peut pas faire de double saut. Et c'est tant mieux, parce que je n'en veux pas des doubles sauts. Alors, je suppose que c'est mon ordi qui ne supporte pas trop de gérer tout ça. Oula! Ah, bien joué! La transition était pas mal fluide. Ah, on me dit go. Bah, je go. Non, là y'a rien. Y'a un champ nul. Le boss. Ah, le boss sans transition, yes. Oula. Oula, regardez-moi cette tête. Alors attends. Hop, et ce blé. Ah non, c'est vrai. C'est que avec le champ, elle. Aïe. On va essayer de pas se faire avoir. Ouh. De coup. Allez, relance ton truc. Voilà. Paf 3. Voilà, c'était un boss. Oula. Oula.
Alors, il y a la fenêtre qui a bougé toute seule. Je vous jure que j'ai rien fait. Eh ben, c'était une incroyable démo de Mario 2DC. J'espère que c'était incroyable pour vous comme ça l'a été pour moi. Il y a beaucoup de travail encore, si je peux donner un conseil à la personne qui développe ce jeu. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment pourquoi le putain de jeu s'est mis tout seul au milieu, ce qui fait que ça a tout niqué. Du coup, vous n'avez pas eu cette fin incroyable, mais il n'y a rien de bien ouf. Je reste sur une moyenne de, allez, je mettrai 11 parce que il y a encore beaucoup de défauts, mais ça va. Ça reste un bon jeu. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce petit fun game en ma compagnie qui aura été pas très très long, hein, je vous l'accorde, et qui aura eu, comme à la bonne époque, eh bien, moultes et moultes interruptions, mais c'est la bonne époque. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas tout ce qui est pense bleu, commentaire, si vous avez des fun games intéressants, eh bien j'en prendrai note et pourquoi pas les présenter s'ils sont assez intéressants. Dans la description, il y a Discord, il y a Twitter où je suis présent, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour d'autres fan games.